Tu as quel âge? 20, 25, 30, 35, 40, 45 ans. Ok. Tu as des regrets? Est-ce que tu as des regrets? Je suis sûr que oui. Parce que la majorité des gens ont des regrets. Alors, on dit toujours qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais est-ce que tu as le droit d'avoir des regrets à l'âge que tu as? Est-ce que tu crois avoir le droit d'avoir des regrets à l'âge que tu as? Est-ce que tu crois que tu ne peux pas réessayer si tu as raté quelque chose? Est-ce que tu penses que c'est fini? Plus jamais tu n'auras l'occasion de tester, de vivre ce que tu as voulu vivre, de te lancer dans cette activité qui a peut-être été ratée, mais c'était peut-être pas le bon moment, le bon endroit. Tu n'étais peut-être pas prêt comme il fallait. Mais est-ce que toutes ces choses t'empêchent de réessayer? Non. Non. Et non. Jamais tu n'as le droit de baisser les bras. Si cette chose-là te provoque des regrets, recommence. Parce que le jour où tu as décidé de le faire, tu y croyais au fond de toi, tu y croyais au fond de ton cœur. Et si ça ne s'est pas fait comme tu voulais, c'était pas le moment. Mais ne regrette jamais ce que tu n'as pas fait. Ne regrette jamais ce que tu n'as pas dit. Ne regrette jamais ce que tu aurais voulu avoir. Parce qu'il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux pour l'avoir, pour recommencer. Si tu veux que je te parle de gens qui peuvent avoir des regrets, je vais t'amener dans une maison de retraite avec des personnes qui sont très âgées, qui ont du mal à se déplacer. Et toutes ces personnes-là, quand elles vont te raconter leur vie, tu vas voir tous les regrets et tous les remords qu'elles ont au fond d'elles. Mais pour elles, c'est trop tard, parce qu'elles n'ont pas eu accès à ce que tu entends aujourd'hui. Elles n'ont pas su chercher, elles n'ont pas pris le temps, elles n'ont pas voulu ou elles ne savaient pas. Toi, tu as de la chance aujourd'hui, tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es déjà curieux. Tu te dis qu'il y a peut-être des choses à faire pour changer ça, pour devenir une meilleure version de toi-même ou pour réaliser tes rêves. Alors, n'attends pas d'avoir 90, 95 ans et d'être allongé sur un lit en train de mourir avec un respirateur. Là, tu pourras avoir la tête pleine de regrets. Tu auras le droit. C'est ce que tu veux vivre? Non. Je suis sûr que ce n'est pas ce que tu veux vivre. Tu ne veux pas vieillir avec le cœur plein d'amertume et de tristesse de ne pas avoir réalisé tes rêves. Tu n'as pas le droit de le faire pour toi-même, pour ton âme. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'imposer ça. Et je te garantis, il n'est pas trop tard, on n'est jamais trop vieux. Fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant, décide demain, décide tout de suite. Ne laisse pas passer les choses, ne laisse pas partir les opportunités. Je suis persuadé que à un moment ou à un autre, ça va le faire, ça va marcher, ça va fonctionner. Si tu as fait une erreur, refais-la différemment, améliore, corrige. Et tu vas voir que ce que tu voulais, tu vas l'obtenir. Ce dont tu rêvais, tu vas le réaliser. Toutes ces choses que je te dis, c'est par expérience que je les donne. Moi, j'ai 44 ans aujourd'hui. J'aurais rêvé de croiser quelqu'un comme moi il y a une vingtaine d'années. J'aurais gagné 24 ans. Ouais, 24 ans. À tester plein de choses, à vivre plein d'expériences. Et aujourd'hui, je ne sais pas où je serai. Mais comme tu vois, voilà, il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux. Aujourd'hui, je n'ai pas un regret. J'ai vécu plein de vies et je vais en vivre encore plein parce que rien ni personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire et de vivre les expériences que je veux vivre. Et toi, c'est pareil. Rien ni personne n'a le droit d'empêcher d'être qui tu es. Fonce, fonce, fonce. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce, un commentaire, un petit partage. Si tu veux être averti des prochaines vidéos, tu t'inscris sur la page. Je te souhaite les meilleures choses au monde et que le meilleur t'arrive. À bientôt, merci.